Allez, c'est parti pour de l'anglais. Pour le tournoi. Est-ce qu'il y a tout qui fonctionne? Ouais, ça a l'air. Ah, ça tourne. Ah, ça a l'air bon. Le groupe de niveau intermédiaire a déjà eu. Déjà Là, je suis énervé parce que que les... mon groupe au niveau avancé les attend toujours. Bruno déteste parler de ses sentiments. Alors, Bruno. Bruno hates to talk about his feelings. Mon Mon métier est fatigant, mais je l'adore. mais Parfois, mes élèves sont agréables, mais en général, je suis très perdu. J'espère que je deviendrai un bon vétérinaire. I will become a good. Oula, vétérinaire, c'est quoi déjà? Je sais qu'il n'y a rien dedans, mais alors I hope I will become a good vétérinarian. Veterinarian. Vétérinarian. Émile, ton amitié est importante pour moi. Tu refuses de me parler depuis un mois et cela me rend De très. malheureux. Je ne trouve Il a l'air méchant, mais il est juste timide. He seems mean, but he is only shy. Mon oncle a un grand jardin. Il y a une cinquantaine I d'arbres et et de de. fleurs. Il fait de beaux et il m'en offre Je souvent. crois que tu ne prononces pas bien ce mot. I think You will not I think you were not pronouncing I think you are not pronouncing this word well. Si tu ne prononces pas ces mots correctement, personne ne va C'est te comprendre en en Angleterre. Regarde des séries en anglais pour t'attendre. Léa is a dentist, but she is going to complicate it. Léa est dentiste. Mais elle veut venir. Ah, est-ce que ça marche le micro? Ouais, ça a l'air de marcher. Donc, Léa est dentiste, mais elle veut devenir boulangère. Léa est dentiste, mais elle va devenir. Ah, il n'y a pas écrit once. Elle va devenir. Try again. Bien. Mon Mon métier est fatigant, mais je mais l'adore. Parfois, mes élèves sont désagréables, mais en très général, je suis fier d'eux. Ce cours me plaît, mais c'est vraiment fatigant. Ce cours me plaît donc. I like this class, but it is very tiring.
je voudrais devenir avocate, alors je vais beaucoup étudier et je deviendrai une avocate célèbre. Vous aurez bientôt les résultats de vos examens. You will. Vous aurez bientôt les résultats de vos examens. You will have the result of your exams soon. You will have the results of your exams soon. Emile, tu en as une qui est importante pour moi. Pour tu refuses de me parler depuis un mois. Depuis. Cela me rend malheureux. Je ne comprends pas. Mark wants to become a baker like his father. Mark veut devenir. Ouais, Mark veut devenir boulanger comme son père. Quand on est méchant, cela rend les autres méchants aussi. Alice est une élève brillante et très sérieuse. Alice est une élève brillante. Alice is a brilliant student and very serious. Je suis sûr que Paul deviendra vétérinaire, il a 7 ans, mais il s'occupe déjà bien de son chien. Déjà, sûr. Elle te donnera une vingtaine de roses. She will give you about 20 roses. Alice, si tu veux un bouquet de fleurs, si. Je t'en apporterai un. Il y a un I magasin juste côté. À côté. We are proud of you. Nous sommes fiers de toi. Ces élèves brillants réussiront leurs examens. Alors, this brilliant students. With pass her exams. Eh ben non. One day you will succeed in pronouncing this word. Un jour tu réussiras à prononcer ce mot. Bye again. Tu finiras de lire ton livre, puis tu pourras le prêter à Sam. Demain, tu choisiras tes manuels scolaires. Tomorrow, you will choose. Ah, j'ai pas vérifié sur le fonctionne. Est-ce que ça marche? Ok, le micro. Demain, tu choisiras tes manuels scolaires. Tomorrow, you will choose your textbook. Le groupe de niveau intermédiaire a déjà eu ces résultats. Je suis énervé parce que mon groupe de niveau avancé, les attend toujours. Our kids want to become bakers in Paris. Nos enfants veulent devenir boulangers à Paris. Si tu veux
Devenir boulanger, il faut travailler. Deviendra un excellent boulanger. Je me demande quel est ce sentiment. I am asking myself what is his feeling. Mon oncle a un grand jardin. Il y a une cinquantaine d'arbres. Et beaucoup de fleurs. Je refuse de te donner les clés de ma voiture. I refuse to give you the keys of my car. Paul se demande comment parler. Paul se demande comment parler de ses sentiments à Chloé. Il l'aime, mais il a peur de le lui dire. Lui. Tu deviendras une grande photographe, Anna. You will become a big photograph, Anna. C'est ça. You will become a great photographer. I wish you some new pens for school. Je choisirai des nouveaux stylos pour l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai pas envie de cette vidéo. Mais pourquoi est-il méchant avec sa sœur? But why is it mean with his sister. But why is he mean to his sister? Try again. Je sens que ça va être très compliqué aujourd'hui. Émile, ton amitié est importante pour moi. Tu refuses de me parler depuis un mois et cela me rend très malheureux. Je suis sûr qu'il a des sentiments pour toi. I'm sure he has. Has feelings for you. Le groupe de niveau intermédiaire a déjà eu des résultats. Je suis énervé parce que mon groupe ne peut avancer. Mon boulanger veut devenir danseur à l'opéra. My baker wants to become a dancer to the opera. Alors, c'est pas ça. My baker wants to become a dancer at the opera. Oh, yes, c'est ça. Méchant. En tournée. Méchant. Méchant. Alice est une élève brillante et très sérieuse. Alice is a brilliant and a very serious student. Luc a commencé à être méchant avec moi. De lui parler. Tu deviendras une grande photographe, Anna. You will become a great photographer, Anna. Mon oncle a un grand jardin. Il y a une cinquantaine d'arbres We are proud of you. Nous sommes fiers de toi. Il achètera des tomates. Il en achètera une vingtaine. They are buying, so they will succeed. Brillant, alors ils sont comme Elon Musk. Et voilà, j'ai pas mis rien, ça brillant. Je choisirai de nouveaux stylos pour l'école. I will
Je ne suis pas brillant, moi. I will choose to dance for school. I think I'm pronouncing this French word wrong. Je crois que je prononce mal ce français. Je crois que je prononce mal ce mot français. I will become a famous singer in my country. Je deviendrai un chanteur célèbre dans mon pays. Tomorrow you will choose your school textbooks. Demain tu choisiras le manuel scolaire. Teachers can also be very tiring. Les professeurs peuvent aussi être très fatigants. Mon boulanger veut devenir danseur à l'opéra. My baker wants to become at opera. They are brilliant, so they will succeed. Ils sont brillants, alors ils réussiront. Ah, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Fermé. Thomas a seulement lu le premier paragraphe du livre et il n'en comprend pas le sens. Alors il n'a pas très envie de finir de lire ce livre. Si tu veux me faire plaisir, achète du chocolat. If you want to. Want to make me happier? Achète du chocolat. If you want to make me happy, buy chocolate. Aujourd'hui, les élèves choisissent leur calculatrice. Ils choisiront leur crayon de mine. Choisiront. My kids want to adopt a cat and dog. Mes enfants veulent adopter un chat et un chien. Émile, ton amitié est importante pour moi. Tu refuses de me parler depuis un mois et cela me rend très malheureux. Ils choisiront un paragraphe et ils le liront. They wish. They will choose the paragraph and say with it. Est-ce que j'ai écrit they will choose the paragraph and say ah c'est ils vont and they will read it. Ma grand-mère est gentille. Ah, c'est par contre ma grand-mère gentille, par contre, elle a parfois des idées bizarres. Elle a acheté une centaine de trompettes la semaine dernière. Ouais, I'm not jealous, but I'm unhappy. Je ne suis pas jalouse, mais je suis malheureuse. Le comédien
vient tous les jours à 9h, mais son train est en retard, alors aujourd'hui, viendra. Il a beaucoup d'expérience comme comptable. He has a lot of experiences. No experience. Hasn't happened. We wonder why he is so selfish. Nous demandons pourquoi il est. C'est pas ça, les rien à voir. Non, c'est sale. Ah, c'est sale. Nous nous demandons pourquoi il est si glissant. Demain, ils auront besoin de leur calculatrice. Tomorrow, they will need their calculator. You have to wonder why I'm here. Je dois leur dire pourquoi je suis ici. Bon, on peut demander. Try again. Maintenant, les élèves finissent de lire ces paragraphes. Après, ils finiront leur rédaction. Vous vous demandez pourquoi je suis en retard. You are asking yourself why I am late. À quelle heure vous viendrez ? Non, à quelle heure vous venez d'habitude ? Viendrez. Demain, vous viendrez un peu plus tôt. Je voudrais vous parler. Mes enfants veulent adopter un chat et un chien. My children wants to. My kids want to adopt a cat and dog. Albert pense qu'il est brillant, mais il a besoin de sa calculatrice pour tous les exercices. Il utilise même pour les exercices. Émile raconte tout le temps des mensonges. Emile tears eyes all the time. Justin est jaloux de Colin quand il a son petit ami. Ah. Oula. Justin est jaloux de Colin quand son petit ami parle à Colin. Ce nouvel élève a un niveau intermédiaire. Nouvel élève.
Alors, this new student has an opportunity. Now, try again. What's up? Ça ne marche pas, obligé de try again. Albert pense qu'il est brillant, mais il a besoin de sa calculatrice pour les exercices. Je suis toujours jaloux de mon grand frère. I'm jealous of my big brother all the time. Paul se demande comment parler de ses sentiments à Chloé. Il l'aime, mais il a peur de lui dire. Lui. Peut-être lui offrir des... Si tu veux me faire plaisir, achète du chocolat. If you want to make me happy, achète du chocolat. Buy chocolate. Ah, oh, j'écris peu à peu. C'est horrible, mon ami Marc va devenir le mari de Ben. Il est méchant et égoïste. Mais je encore garde espoir, il peut encore annuler le mariage. Ils ont adopté un chien qui s'appelle Max. They adopt a dog. They adopt dog that is named Max. Un rêve va finir en try again. Maintenant, les élèves finiront leur rédaction. Ces étudiants deviendront bientôt comptables. These students will become accountants soon. Anna, vous viendrez me voir. Vous viendrez me voir dans mon bureau. Dans. Après votre pause, je dois vous parler d'un nouveau projet très important pour l'entreprise. Ce nouvel élève a un niveau intermédiaire. Nouvel élève. Je ne sais plus comment il dit qu'il t'avait dit hier. Bah, ça va corriger. Hein. This new student has an intermediate. Try again. Famille garde espoir et sa sœur aussi. Elle ne veut pas pleurer et sa non plus. Vous vous demandez pourquoi je suis en retard? You are asking yourself why I am late. Le comédien vient tous les jours à 9h. Viendra. En retard, alors aujourd'hui. My kids want to adopt the cat and dog. Mes enfants veulent adopter un chat et un chien. Maintenant, les élèves finissent de lire ce paragraphe. Finiront. Ton amitié est très importante pour moi. Je sais pas là.
friendship. Your friendship is very important. Ma belle-mère est gentille. Par contre, elle a parfois des bizarres. Elle a acheté une centaine de trompettes la semaine dernière. Je ne comprends pas pourquoi ils sont jaloux. I don't understand why they are jealous. Il aime les mensonges, il leur raconte tout le temps. Bientôt, vous irez dans le groupe intermédiaire. You will go to the Est-ce que c'est ça? Yes. You will go to the intermediate group soon. Pour. Albert pense qu'il est brillant. Pour. Mais. Il a besoin de sa calculatrice pour tous les exercices qu'il utilise. Les exercices faciles. His students will become accountants soon. Ses élèves deviendront bientôt comptables. Personne ne m'aime, mais je garde espoir. No one loves me, but I keep No one loves me, but I keep my hopes up. Whoa. Again. Émile est un métier important pour moi. Tu refuses de me parler depuis un mois. Très. Cela me rend plus malheureux. Je ne peux pas. L'amitié est un sentiment merveilleux. The friendship is a very wonderful. Alors attends, tout à l'heure j'ai écrit feeling, je crois. Alors c'est sentiment. J'allais connaître le feeling à la phrase. Camille garde espoir et sa sœur aussi. Oh, non elle plus. Ne veut pas pleurer et sa sœur. Mes enfants veulent adopter un chat et un chien. My kids want to adopt a cat and dog. Good. Ce semestre, nous choisirons le groupe de niveau intermédiaire. Choisirons. Le semestre prochain, nous choisirons le niveau intermédiaire. Choisirons. Dans ce semestre, nous choisissons le groupe de niveau intermédiaire. Le semestre prochain, nous choisirons le niveau avancé. Tu dois te demander pourquoi je suis ici. You have to ask yourself why I am here. Marie est jalouse de son fils parce que reste à la maison quand elle doit aller au travail. Ils ont adopté un chien qui s'appelle Max. They adopt a dog whose name is Max. Albert pense qu'il est brillant et il a besoin de pour les exercices. Nous nous demandons pourquoi il est si égoïste. We are asking ourselves
why he is so. Ah oui, c'est serve. C'est tout en selfish. Selfish, c'est bon. Ah, c'est wonder. I wonder why he is so selfish. Les. Le groupe de niveau intermédiaire. Les. Ah, déjà. J'ai déjà eu ces résultats, je suis énervé parce que les avancés. Ces étudiants deviendront bientôt comptables. The students will become accountants soon. Emile tells lies all the time. We won't come to the office tomorrow morning. Nous ne viendrons pas au bureau demain matin. He is single and he has a part of the 100 class. Ça, c'est il a une et il a une centaine de chats. Eh bien, je le fais. That is really kind of her. C'est vraiment gentil de sa part. They will finish reading this paragraph at home. Ils finiront de lire ce paragraphe chez eux. Nous nous demandons pourquoi il est si égoïste. We are wonder why he is so selfish. Nous nous demandons pourquoi il est si égoïste. I wonder why he is so selfish. Allez, passez. Next. Pendant le prochain cours, nous réfléchirons ensemble à notre projet de fin d'année. Ah. Le prof y réfléchira avec I nous. D. Nous nous souviendrons de cette expérience. We will remember. About this experience. Là, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Mais je suis malheureux avec toi. Voici le fils de ta maison. Ce professeur de droit est aussi avocat. Ce professeur de droit. This old teacher is also a lawyer. J'espère que Léa ne grandira pas trop. Trop déjà. Je lui ai acheté ce cul et il commence déjà à être.
plus. La blague de mon beau-père est nulle. C'est une joke blague. C'est une joke. Oh, my. Ah, et beau-père, c'est quoi déjà? It's bad. My father-in-law's dog is bad. Ma belle-mère est gentille. Par contre, elle a parfois des idées bizarres. Elle a acheté une centaine de trompettes la semaine dernière. Je ne veux pas travailler. C'est trop stressant. I don't want to work. It is... I don't want to walk, it is too stressful. Ben est une personne très généreuse, il aime offrir des cadeaux et il est toujours disponible pour les autres. C'est un ami formidable. Nous y réfléchirons pendant le prochain cours. We will think about it during the next class. I will finish this book tomorrow because I'm sleepy. Oh, qu'est-ce que c'est ce nom? I will finish this book tomorrow because I'm sleepy. Je finirai ce livre demain parce que je m'endors. Je finirai ce livre demain parce que je suis. Alors, on va y aller. Je vais aller fixer un petit peu devant. Little break. Allez, c'est reparti pour la suite. Paul ne comprend. Ah, il manque pas. Paul ne comprend pas cet exercice parce qu'il est trop compliqué et il le finira. Qui? Avec sa mère qui est professeur pour l'aider. Toutes les blagues de mon beau-père sont nulles. Oh, ce... Ah là, c'est pas ça. All my father-in-law's jokes are bad. Ma belle-mère est gentille, par contre, elle a parfois des idées bizarres. Elle a acheté une centaine de trompettes la semaine dernière. Je t'achèterai une trompette pour Noël. I will buy you
Alors, comment on écrit ton fait? I will buy you for Christmas. J'espère que l'IA ne grandira pas trop. Trop. Je lui achète ses plus et il commence déjà. Déjà plus. Je choisirai une plus grande taille. Ce professeur de droit est aussi avocat. This law teacher is also a lawyer. Pendant le prochain cours, nous réfléchirons ensemble à notre projet de fin d'année. Le prof réfléchira avec nous et pourra nous donner des idées. Samedi, Ben m'apportera des roses de son jardin. Saturday, Ben will bring some roses of his garden. Ah, c'était fun. Je dois finir ce devoir en classe, mais je finirai les autres devoirs à la maison. Finirai. Il n'arrête pas de raconter des blagues nulles. N'arrête pas de raconter des blagues nulles. He does not stop. He does not stop to tell bad jokes. He does not stop telling bad jokes. Try again. Maintenant, les enfants grandissent. Grandiront. Heureusement, ils ne grandiront pas aussi vite que lui. Ils n'arrêtent pas de raconter des blagues nulles. He does not stop getting bad jobs. Ben est une très généreuse et aime offrir cadeau et il est disponible pour les autres. Ah. C'est un ami formidable. Bientôt, tu deviendras vétérinaire dans un zoo. Dans un zoo, you will become a... Oh là là, you will become a vétérinaire. Cela va rendre Julien très malheureux. It is going to Ah oui, c'est ça. It is going to make Julien very happy. Paul ne comprend cet exercice. Ah, c'est pas. C'est la première fois que je signale qu'il manque de mots dans cette phrase, mais il ne corrige pas. Paul ne comprend pas cet exercice parce qu'il est trop compliqué. Il le finira plus tard avec sa mère qui est prof. Bon, allez-y.
Marie hates a walk, which is very stressful. Marie déteste son travail. Pendant le prochain cours, nous réfléchirons ensemble à notre projet de fin d'année. Ah. Le prof y réfléchira avec nous. Pour nous donner des idées. I'm a lawyer, it's really stressful. Je suis avocat, c'est vraiment stressant. I will buy you a trumpet for Christmas. J'achèterai une trompette. Grâce à ses amis, elle n'est plus malheureuse. Thanks to... Thanks to... her friend. She is not... Thanks to our friends, she is no longer unhappy. We will bring a bottle of Bordeaux wine. Nous apporterons une bouteille de vin de Bordeaux. Rémi n'est pas généreux et Marie non plus. Rémi is not generous and comment on dit non plus? Mais je sais pas. Rémi is not generous and neither is Marie. Oh, c'est chelou ça. They will remember these exercises. Ils se souviendront de cet exercice. Il n'y a pas écrit exercice. Ils se souviendront de cette expérience. Bye again. Pendant le prochain cours, nous réfléchirons ensemble à notre projet de fin d'année. Ah. Le prof y réfléchira avec nous. Je pense que je finirai ce projet ce soir. I think I will finish this project. Tonight. Anna est malheureuse. Malheureux. Antoine m'a raconté une blague très drôle. Antoine told me. A very. Very funny joke. Maintenant, les enfants grandissent. Grandiront. Ils ne grandiront pas aussi vite. Ma belle-mère joue très bien de la trompette. My mother-in-law. My mother-in-law plays the trumpet very well. Ah ouais, c'est ça.
Ben est une personne très généreuse et aime offrir des cadeaux et des offres pour les autres. Pour c'est un ami formidable. Mes parents m'achèteront ce livre que j'adore. My parents will buy me this book that I love. Que je suis sûr que Paul deviendra vétérinaire. Il a 7 ans et il s'occupe déjà bien de son chien. Déjà. C'est plein de choses sur les animaux. Mais chérie, je vous achèterai des jouets. Mais chérie, je vous achèterai des jouets. My darlings, I will buy you some toys. My father-in-law's dog is bad. La blague de mon beau-père est nulle. Sarah étudie le droit pour devenir avocate. Sarah is studying the law to become lawyer. Alice will become a good veterinarian. Alice deviendra. They will remember this experience. Ils se souviendront de cette expérience. My law studies are too stressful. Mes études de droit sont trop stressantes. I will bring you some tomorrow after work. Je t'en apporterai demain après le travail. My friends are very generous to me. Mes amis sont très généreux avec moi. Perfect. Yes, one more. J'ai deux beaux-pères et j'aime leur écrire des messages. Je leur en ai. Un. Elle deviendra sûrement architecte en Écosse. She will. In Scotland. Mais non, c'est pas ça. Ce soir, Paul achètera des roses pour sa femme. Ce. Mais Paul ne sait pas que sa femme déteste les roses. Mais donc. Elle ne va donc pas aimer la surprise. Je sais que Louis ne me pardonnera jamais. Sa femme, il sait pas qu'elle aime pas les roses. Yeah. Je sais que Louis. I know. That Louis will never. Point, pardon. Je sais plus. I know Louis will never forgive me. I will forgive. Paul offre des roses à Daniel. Non, non. La biologie est une matière très compliquée. The biology
biology is a very complicated subject. Biology is a very complicated subject. Pour moi, être comptable, et il a beaucoup d'autres talents. Mais il chante très bien. Bien, une. Il pense commencer une nouvelle carrière. Il faut être patient pour être professeur. Must be patient to be a teacher. Je finirai de lire de la rédaction à la maison. This English actress has an unbelievable talent. Cette actrice anglaise a un talent incroyable. Ma belle-mère est gentille, par contre. Contre. Elle a parfois des idées bizarres, elle a choqué. Il m'en donnera une cinquantaine, c'est cool. You will give me about 50 of them, that's it's cool. Again. Pour moi être comptable, mais il a beaucoup d'autres talents, il chante très bien. Mais une. Et il pense commencer une nouvelle carrière, c'est génial. Alice, je te pardonne parce que je t'aime. Alice, I forgive you because I love you. Ah, oh, pourquoi j'ai mis Will? J'ai deux beaux-pères et j'aime leur écrire des messages. Ma belle-mère est gentille et elle tricote bien. My father-in-law is nice and... Ouais, tu crois que je me souviens de tricoter, quoi. J'ai dû inventer un mot, mais c'est pas grave. My father-in-law is nice and she eats. Knits. Knits. My father-in-law is nice and she knits. Well, je finirai de lire vos rédactions à la maison. I know Louis will never forgive me. Je sais que Louis ne me pardonnera jamais. Paul est un architecte qui aime les maisons classiques. Anna, quand elle sera architecte, fera des maisons. Sera. We are proud of you. Nous sommes fiers de toi. Allez, break time. I will come back in 5 minutes. I'm going to drink coffee.